Et bonjour à tous, c'est Darklink, et aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de vous faire une vidéo sur Street of Rage Remake. Et donc sans plus attendre, je vais vous montrer le jeu. Donc ce remake en fait, c'est un jeu qui reprend la trilogie sortie à l'époque sur Mega Drive, dont le 1 sorti en 91, le second en 92 et le troisième, qui est un peu moins apprécié, sorti en 94. Alors donc on a beaucoup de choses sur ces remakes, donc voilà, ça reprend vraiment avec des graphismes améliorés, plus travaillés. Et vous voyez qu'on a plein de choses, hein. On a le shop par exemple, là. Ah aïe aïe, je me suis trompé le bouton. Voilà, j'ai déjà bien avancé dans le jeu, on peut activer les bonus, les désactiver. Voilà, comme on peut voir les épées laser par exemple. Ça, bon je sais pas trop ce que c'est mais c'est marqué en bas, mais vu que je suis pas très doué en anglais. Voilà, il y a plein de trucs qu'on peut choisir comme ça, tellement de choses. Les épées laser comme ça, issues de l'univers Star Wars, excellent. Alors là, c'est comme des trucs cheatés, bon, je mets en off, hein, parce que bon, faut pas déconner non plus. Voilà, plein de choses comme ça. Les extras. Qu'est-ce que c'est les extras? Eh ben, voilà, c'est marqué en anglais. Je m'en souviens plus, ça fait un petit moment que j'ai pas lancé le jeu, mais j'avais envie comme ça de vous faire une vidéo. D'ailleurs, j'ai déjà fait une vidéo. Il y a en 2015, je crois, j'ai déjà fait une vidéo sur ce Street of Rage Remake. Mais vu que ça reprend vraiment, enfin, t'as le choix entre l'univers de la trilogie. Cette fois, je vais vous montrer un autre chemin parce qu'on a le choix entre différents chemins à prendre. Durant entre guillemets l'aventure. Extra mode. Qu'est-ce que c'est l'extra mode? Alors là on a carrément les battles. Survival où il faut éliminer maximum d'ennemis pour rester en vie. Et boss rush, voilà, comme son nom l'indique, on enchaîne les boss. Et l'event, ça fait un peu penser aux missions de Super Smash Bros. Melee, où on a différentes missions comme ça à remplir. Voilà, avec les conditions marquées à droite. Et le seul que j'ai pas réussi, c'est celui-là. Voilà. En gros, faut pas lancer les ennemis dans le vide. D'ailleurs, je vais vous le montrer vite fait. Allez. Je vais vous le montrer. Alors, on va prendre mon personnage préféré, Adam. Parce que vous voyez qu'on a le choix entre tous ces personnages. Ainsi que quelques gros vilains d'ailleurs, Shiva, par exemple. Shiva qui fait son apparition à la fin de Street of Rage 2. Voilà, et on va prendre. Allez, on va prendre Shiva, tiens. On peut également choisir les couleurs. Voyez? Ah oui, là c'est quand il est souffrant, non? Ou alors c'est un autre design de Shiva. Allez, on va prendre celui-là. Donc voilà, là faut tuer un maximum d'ennemis, par exemple, là, sans les balancer dans le vide. Là, on a plusieurs attaques, hein. On a tous les attaques, voilà, dispo depuis, enfin, jusqu'au 3, quoi. C'est-à-dire, on peut courir comme ça, on peut défoncer les ennemis, on peut voilà, les attraper, se jeter dessus comme comme une bête sauvage. Viens ici, toi, la vilaine. Hop, faire ça, balancer comme ça. Alors, allez, on essaie de refoncer dedans. Ah. Aïe aïe aïe, comment ils m'enchaînent? Ah oui, eh, ils ont la rage, hein, ils ont la rage, attention. Donc là, vaut mieux que je me mette de ce côté parce que voilà. Ah ouais. Ah, bah c'est bien, il se raccroche tout seul. Ah, il y a des fois le personnage il s'accroche comme ça. T'as une chance sur deux de tomber dans le vide en fait. Ah bah très bien. Ah! Ah Satanas! Ah bah voilà. Bon allez, voilà, je voulais vous montrer comme ça, vite fait. Éditeur. On peut carrément créer son propre arène de. Enfin son propre stage de Street of Rage apparemment. Enfin, j'ai jamais essayé mais. Bon, après j'ai jamais compris comment ça marchait exactement, donc bon. Le rocking, ça c'est. Voilà, c'est. C'est notre meilleur score, en gros.
Donc, allez, on va aller dans les options. Tout ça, les contrôles. Alors, game option. Ah, on va y arriver. Alors, allez, on va se mettre en hard. Alors, on peut choisir maximum 5 vies. Bon, je sais pas trop ce que c'est. Il y a des trucs, des fois, j'ai un peu du mal, là. Voilà, combo type, c'est un fresh 3. Jump type 1. Oui, il y a tellement de choses, c'est hallucinant. Je vais vous montrer ça vite fait, mais le truc principal que je voulais vous montrer, surtout, c'est vraiment le jeu de base, quoi. Alors, on peut carrément, enfin, j'ai débloqué ce truc parce que j'ai fini plusieurs fois j'ai fait tous les chemins de... Allez, cette fois, on va prendre mon personnage préféré, on va choisir la couleur. Hop. Ah, il est pas mal comme ça. Non, bleu comme ça, j'aime bien. Violet aussi, pas mal. Mais, allez, on va se prendre comme ça. Tout en noir, comme ça. Donc voilà, alors là on choisit notre propre route, dont par exemple celui-là représente le tracé de l'univers Street of Rage premier du nom, celui-là le second, celui que j'avais montré d'ailleurs quand j'avais fait ma première et la seule unique vidéo en 2015. Voilà, si vous voulez regarder beaucoup plus en arrière sur les vidéos que j'ai envoyées sur YouTube, elle y sera. Et quand je me suis écouté, je commente pas tout à fait de la même façon que maintenant. On voit que j'ai fait quelques petits progrès quand même. Et donc ça, bon, c'est une route originale. Il y a quelques nouveautés sur les stages. Et il y a celui-là qui reprend la route à peu près de Street of Rage 3. Voilà. Mais même si par exemple, on reprend, enfin, on commence par cette route, on peut rejoindre la route de l'univers Street of Rage 1, 2 ou 3. Enfin, il y a plus de chances de rejoindre ceux de l'univers du 2 et du 3. Là, il y a vraiment, c'est très varié. Et moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de vous montrer vraiment le premier. Donc, on va faire la route du premier Street of Rage. Vous allez voir que c'est excellent parce que déjà on retrouve les graphismes retravaillés avec les musiques remixées. D'ailleurs, on a vu le titre de la musique en bas. Ah, mais c'est tellement génial, quoi. Et c'est l'un des tout premiers jeux vidéo que j'ai découvert à l'époque, hein, en 91. C'est tellement énorme. Et puis les ennemis sont un peu plus nerveux, je trouve. Tout est génial. Tout est génial sur un mec. Donc pourquoi j'ai décidé comme ça de refaire une vidéo sur le Street of Rage Remake? Bah, tout simplement parce qu'il y a eu des nouveautés. On a eu des nouvelles concernant le Street of Rage 4 qui normalement devait sortir en 2019, mais apparemment il va sortir en 2020, donc bon. C'est un peu chiant d'attendre, mais bah, c'est comme ça. Hein. Voilà, ils ont parlé. On a eu des nouvelles images sur Street of Rage 4. Voilà, je vous en dis pas plus hein, si vous voulez découvrir ou si au contraire vous voulez pas vous spoiler. Je vous dis pas le contenu des nouveautés qu'il y a eu récemment. Hein. Voilà. Donc, pour info, je suis en train de tourner. Là, on est le 22 août 2019. Et il est très tard dans la nuit, 1h du matin, eh oui. Ah non! 1h59 précisément. Donc 2h quoi. Ah, je suis pas sérieux, mais là j'ai eu une envie mais incroyable. Ah mince, mais pourquoi il a pas lancé? Ah. Ok. Ah, salaud, je me suis trompé de bouton, évidemment. Viens, prends ça!
Et voilà, j'ai réussi à me remettre. Allez, on défend ces cabines téléphoniques. Waouh. Bon là, il y a quelques petits ralentissements, mais c'est pas le jeu qui fait ça, c'est vraiment mon PC qui commence à se faire vieux. Ah, parce qu'il a déjà 9 ans mon PC. Il a pas l'air de supporter que j'enregistre en même temps que je fasse tourner le jeu. Voilà. Allez, on va prendre la barre. Tiens, prends ça. Bon, on va essayer d'aller le plus loin possible, mais bon. Je vous promets rien. Là. Donc c'est un peu con que je tourne aussi tard parce que là je peux pas trop. J'ai les voisins qui dorment donc. Faut pas trop que je parle fort non plus. Fasse attention quand même. Ah, ça les foule, ça les foule! Allez, prends ça dans les dents! Ah, ça doit faire mal au crâne, ça! Voilà, ça fait tellement plaisir de retoucher à ce jeu, franchement. Ah, les pieds! Oui, plein de nouveaux objets aussi qu'on récupère, comme ça, de nouvelles armes. De... Enfin, vous allez voir, j'en dis pas plus. Ah, je suis désolé, ça fait un peu tâche les ralentissements, mais là, ouais, il va falloir que j'achète un nouveau PC, parce que là, ça va plus du tout. J'ai toujours le Windows 7 en plus, donc bon. Ah, il y a pas mal d'ennemis, hein. Tout le monde est invité à la fête. Alors, les gars... On s'énerve, on s'énerve. Alors, on a un coup de barre comme ça. Allez, on peut courir, ouais. Vous voyez, donc là, on peut courir, on peut défoncer les ennemis comme ça, les attaques de base de la dame. Alors, on peut attraper les ennemis, leur donner des coups comme ça. Ah mince, il m'empêche de... Putain, je peux même pas vous montrer les attaques. Ah, et on peut les enchaîner direct comme ça. Alors, est-ce qu'on peut appeler les flics dans celui-là? Alors, on peut faire l'attaque issue de Street of Rage 2, l'attaque spéciale. Hein, où, grâce à la barre au milieu d'écran, en haut au milieu d'écran, quand c'est marqué OK, ça veut dire qu'on peut faire l'attaque spéciale, comme ça. Et évidemment, ça me fait très mal. Même quand je touche personne, et donc à cause de ça, bah, je suis mort. Alors que j'avais le poulet juste à côté. Bravo! Oh là, je suis vénère! Oh, prends ça dans les dents! Putain, en plus, il m'a volé la viande! J'ai rêvé, c'est pas moi qui ai pris la viande! Parce que la nouveauté, c'est que les ennemis peuvent nous piquer le repas maintenant! Ah, oh, mais ils sont sans gêne, hein. Ils sont tranquilles! C'est comme ça! Hein. Attends, je vais récupérer le truc qui est par terre là, le truc rose! C'est quoi? C'est un bonbon? C'est un bijou? Bah, par contre, les filles vêtues de blanc comme ça, normalement, ils apparaissent tout à la fin du premier Street of Rage. Normalement, les filles en blanc, c'est celles qui ont le plus d'endurance. Elles apparaissent dans le dernier stage, le stage 8. Dans le palais de Mr. X. Son grand immeuble. Meuble à 112 étages. Allez, le boss. Le boss et sa musique épique. Ça aussi, la musique vraiment excellente. Vraiment excellente, la musique. Ah, bravo. Donc là, on peut voir leur barre de vie avec leur nom et tout, ce qui n'était pas le cas dans le premier Street of Rage. Ça aussi, ça fait la première apparition dans le 2. Aïe 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 aïe, ces ralentissements, je pensais pas que ça allait ralentir comme ça.
Aïe aïe aïe. Ah ouais, ça, le coup de pied de la morte. La muerte. Ah putain. Ah ouais, on peut aussi faire les attaques comme ça. Voilà. Voilà, les attaques comme ça vers le bas. Et voilà, premier stage terminé. Bon, apparemment on peut pas appeler les flics. À moins que j'ai pas trouvé le bouton. Je l'ai bien mis en sang quand même. Allez, c'est parti pour le stage 2. Le stage 2, on connaît. On fonce, non, on défonce. Ah, je suis chaud, ça y est. Je suis remonté, là. Prends ça, toi aussi, tiens, tiens, dans les dents. T'aimes ça, hein? Allez, tous en cœur. Ah, des sous-sous. Ah, voilà, le poivre hein, pour les immobiliser. Tiens. Aïe 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 aïe. Aïe aïe aïe. Et normalement, il n'y a pas les noirs comme ça, les espèces de skinheads qui adorent se balancer. Ils te prennent, ils te jettent comme ça, c'est tout ce qu'ils font. Ou alors ils glissent des fois au sol. De temps en temps. Hein. Ah, les billets, Bias. Les sous-sous dans la poche. Ah ah. C'est pour le money, c'est pour le money, c'est. Ouh. Attrape. Alors. Hey, hey. Faire gaffe quand même. Allez, on va se prendre la pomme pour se remonter un petit peu. Allez, avec le couteau, il est on fire. Je sens qu'il est motivé. Tiens, prends ça. Ah, la vie. Oh, tiens. Allez, on va récupérer la vie. Là, on se remet bien. Ah ouais, on peut faire les attaques derrière aussi, c'est vrai, je vous avais pas montré ça. Allez, chacun son tour. Ah ouais, d'accord, ah ouais, vas-y, faites-moi. Aïe. Ah. Putain. Bon, ok. Pourquoi tu m'imites? Ah! J'ai ramassé le bijou, tiens. Ah, 750 points. Allez, viens ici. Ouais, je faisais peur. Ah merde! Ah bah c'était ce bouton pour appeler la police! Au moment où j'ai plus besoin. Bravo, quoi. Ah si, j'ai tué quelqu'un. Bon. Très bien. J'ai réussi à éliminer un ennemi avant même qu'il apparaisse en écran. Pas mal. À genoux. Pareil. Voilà. Oh, j'espère que c'est pas trop dégueulasse pour vous. Regardez le fait que ça ralentit un peu comme ça. Je suis désolé. Je pensais pas que ça allait faire ça. Non, il est on fire là, ça y est. Ouh, il s'est dopé celui-là, il s'est dopé. Ouh, on va le maîtriser, on va le neutraliser parce que là, c'est pas possible. Hein, il prend ça dans les dents. Dans aussi, comme ça. Ah, deuxième barre.
Ouais. On va prendre la deuxième barre. Mais voleur, c'est à moi. Je la veux. Je la veux. Ah oui, carrément des noirs. Normalement, ceux-là, ils apparaissent plus tard dans le jeu. Même en mettant hard dans le premier Street of Rage, il n'y a pas les noirs comme ça. Eux qui ont plus d'endurance que les bleus et les verts. Ben, je crois que c'est dans le monde 6, ouais, qui... enfin le stage 6, qu'ils apparaissent les mecs en noir qu'on a vu. Ceux-là, là. Ouais, là, on a déjà des verts. Ah! Allô, police? Ah, bah, j'ai plus de police, je peux plus appeler. Ah, j'ai perdu le numéro. Ah! Putain, à cause du lag, j'ai pas pu le lancer. Et je vous jure que c'est pas la mauvaise foi, c'est vrai. C'est la triste vérité, messire. Ah, bijoux. Ah oui, quand on regarde aussi les visages des ennemis, je trouve qu'ils sont mieux faits, on voit... Enfin, ils sont un peu plus détaillés, je trouve, les visages. Notamment celle des clowns. Avec les effets de lumière aussi, avec le feu et tout. On peut même contrer comme ça les trucs de feu qui... bâtons de feu qui balancent. Bon, ça, c'était déjà le cas dans le premier, mais là... Aïe aïe aïe, oh je brûle. Et que les effets sont mieux faits quand même là quand je brûle. Il y a de meilleurs effets je trouve. Ouais, ceux-là ils sont costauds. Hein. Oui, ils sont vraiment costauds. Voilà. Pas pour longtemps. Ah, il a perdu un billet. J'adore les billets. Oh là là. Et ici. Oh putain. Oh putain. Où ils sont vénères? Où ils sont vénères? Tiens. Comme ça, hein. Toi aussi. Tiens. Ah, de la viande. J'ai faim. Laissez-moi. Voilà. Je sais que ça c'est pas de se battre en mangeant, mais bon. Aïe. Ah oui, d'accord. Ça c'est la fessée, quoi. C'est la fessée parce que je n'ai pas été sage. J'étais mal poli. Je comprends, je comprends. Aïe. Attends. Ah oui, on peut faire des roulades, c'est vrai. Ah oui, j'ai oublié ça. On peut faire des roulades comme ça pour éviter... pour esquiver toutes les attaques. Ouais, ça a pas grand succès, hein, après... Ah, c'était une morceau de pizza, ça. Aïe. Tiens, voilà. Il a perdu son couteau, on va en profiter pour le ramasser. Ah, mince, je vais balancer les yeux fermés. Ah, carrément des marrons. Alors ceux-là, normalement, ils n'existent pas, les ennemis comme ça, habillés en marron. Ça fait plaisir de voir de autant d'originalité comme ça. Allez, à qui le tour? Oh, un petit nouveau. Oh, ça met un grand costaud celui-là. Oh oui, sa barre de vie. Elle est bien remplie, hein. Mais je vais vite le finir, vous allez voir. Il a autant de vie qu'un boss, c'est hallucinant quand même. Un ennemi de base comme ça, bon, on peut dire que c'est le mini-boss. C'est un peu comme un mini-boss. Ah, raté. Ah oui. Ah oui, là. Je crois que je l'ai un peu vexé.
Ah ben, il est démasqué. Ah, normalement le changement d'écran comme ça y est pas dans le premier. Ah, des ennemis issus de l'univers Street of Rage 2. Des petits mélanges comme ça, sympa, de grosse originalité. Voilà, les ennemis de Street of Rage 2 dans le stage 1, carrément. C'est ça que j'apprécie, toutes ces originalités comme ça, je trouve ça énorme. Lâche-moi! Putain, toi! Ah, attends, je récupère le... Ah, il y avait un chat dans la poubelle, tiens. Ça fait fuir mon chat! Je voulais l'adopter! Pourquoi tu lui as fait peur? Allez, on peut carrément prendre des flingues. Là, je rigole plus, ils m'ont énervé. Ah oui, d'accord. Tiens, prends ça! Ah! Je vous apprends, moi, à faire autant de bruit en plein milieu de la nuit. Et des gens qui dorment et qui travaillent tôt demain. Alors. Scooterman. Tiens, prends ça. Ah, les lunettes de soleil. Je veux tes bottes, tes vêtements, tes bottes et ta moto. Ah ouais, maintenant on a carrément les ennemis issus du 3. Street of Rage 3. Vous voyez, c'est un mélange. Il y a plein de surprises dans le remake, c'est vraiment un grand mélange des 3. Je trouve ça tellement génial. Ah, y jouer comme ça en attendant la sortie de Street of Rage 4, franchement, c'est plaisant. C'est plaisant. Bon, c'est sûr, après, quand on y joue pendant des heures et des heures, à la longue, c'est... On a envie de faire des pauses, mais bon. Alors, j'essaie de pas faire une vidéo trop longue, parce que c'est quand même assez long hein, pour le finir. Pour traverser les, normalement, 8 stages. Dans tous les Street of Rage, j'ai bien connu, il y a souvent c'est composé de 8 stages, donc là. Oh là là! Oh mon dieu, il a fait un massacre! Ah oui, il est énervé là, hein. Il sort ses griffes, attention! Hein. Oh putain, je vais prendre la viande là. Allez. Tiens, prends ça! Oh putain, l'autre qui me défend là! Viens ici, toi! Oh putain, j'ai pas pu le défoncer! Donc voilà, les flics, on peut les appeler qu'une seule fois par vie, c'est-à-dire quand on perd une vie, on peut de nouveau appeler une fois les flics, et c'est tout après. Ouais, je crois que je l'ai énervé. Ah oui, il a encore pas mal de vie, lui. Ah. Ah putain, il m'a touché quand même. J'essaie de pas me mettre en face de lui. Vu que j'ai fini le premier et le deux plusieurs fois, je connais un peu. Oh mon dieu. Avoir les chaussures pleines de sang, c'est horrible. Allez, on va appeler. Ah putain, j'ai pas pu le choper. Voilà. Très bien. Il est resté un petit, mais bon. On va dire que j'ai réglé son compte facilement. Le stage 3.
On est déjà rendu à une demi-heure. Oh là 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 là. Bon, allez, on va faire ce stage et puis je pense qu'on s'arrêtera là. Et ce qui est bien, c'est que quand j'arrête le jeu, ça sauvegarde automatiquement, ça garde en mémoire où j'en suis. Donc il n'y a pas de souci. C'est comme pour les jeux sur Switch par exemple, tu quittes le jeu comme ça, ça reprend exactement là où tu es. Ça c'est excellent aussi. Sachant que je suis sur émulateur là. Là c'est pas un jeu qui est sorti sur console ça. C'est vraiment un jeu indépendant quoi. Donc voilà, après ce stage on s'arrêtera là et si ça vous plaît. Si ça vous plaît, de toute façon je le verrai. Ou alors dites-le moi en commentaire si vous avez envie. Et puis je continuerai peut-être la suite si vous voulez voir la suite. Ah, elle met du temps à se lever là. Ah, si on doit l'attendre, hein. Franchement, on va pas l'attendre toute la nuit non plus, hein. Waouh. Tiens. Aïe. Bon, si je vais le faire, attends. Viens ici. Oh là là, ce lag. Ah ouais, mais ça, ça plombe le... Ah, ça plombe le jeu, le lag, comme ça, vu que j'enregistre. J'ai un vieux PC, forcément. Ça aide pas. Donc ce sera peut-être la seule vidéo, on verra. Ça dépend si ça vous plaît. Si ça vous plaît ou pas. J'aurais eu le plaisir de vous montrer les trois premiers stages, c'est déjà pas mal. Putain, carrément les bleus. Les bleus normalement ils n'existent pas mais. Mais ça fait plaisir de les voir de différentes couleurs comme ça. Ah oui, t'as carrément les filles bleues aussi. T'as les filles rouges, t'as les filles bleues. Mais c'est magnifique. Elle s'appelle Cindy, enchantée. Moi c'est Adam. Nora, tu ne mourras point. Tu n'auras point ta récompense. Ah, il y a des ninjas partout là. Truc de fou, ils sont tous excités là, ça y est, ils sont tous énervés là. Kinji, il est ni... Il est excité, Kinji. Il est excité. Ah, Linda, carrément. Ah, il y a vraiment des noms différents. De... Je pensais que c'était en fonction des couleurs des personnages, mais pas du tout. Ah ouais, elle m'a pris la pomme. Non mais ça va, tranquille, au calme, quoi. Ah, faut vraiment se méfier, hein. De... Par exemple, que t'arrives face à un poulet, mais que tu vas attendre... De n'avoir vraiment besoin parce que t'es presque fou de vie et tout. En attendant, les ennemis peuvent te les piquer. Ça, c'est traître quoi. C'est plus réaliste d'un côté. C'est bien plus réaliste. Voilà, l'IA est plus travaillée également. C'est pas pour me déplaire quand même. Ah, là, on retrouve les ennemis aux couleurs normales. Aïe. Aïe, lui il avance bizarrement avec son couteau quand même. Et pourquoi tu le tiens pas normalement comme ton pote à côté Jamais compris ce phénomène. Aïe, il m'a donné une clac-clac. Tiens.
concert. Il y en aura pour tout le monde. Ah d'accord. Ah, il voulait avoir le dernier mot. Je comprends. Je comprends tout à fait ton problème. Bon, je cours, je cours. Attention, je cours. Hop là, raté. Ah, je veux ta barre. Ah, et évidemment. Tiens, oh. Yahoo. Ouais. Ah, t'es une maligne, toi, hein. T'es le beau dernier moment pour m'avoir, hein. Allez, viens ici. Ah ouais, c'est une rapide, c'est une rapide. D'habitude, elles font pas cette attaque dans le jeu d'origine. Ah ouais, t'as carrément encore des filles de citron frais, je crois, là. C'est, par contre, c'est un peu chance qu'elles mettent du temps à se lever, là. C'est un peu relou à force, mais bon. Ah, la garce. Il a raté. Vous voyez là, c'est exactement ce que j'expliquais, la situation. Je suis quasiment full vie, donc je prends pas la viande directement. Ah ouais, là on a carrément le boss de Street of Rage 2 là. Ah, c'est pas le même que le premier. Ah, celui-là il est plus malin, hein. Il sait pas avoir bêtement là. Avec les techniques que beaucoup doivent connaître, je pense. On le spam comme ça, on attend juste qu'il fonce bêtement et on fait comme ça. Ah non, lui il est plus malin. Ah, c'est pas plus mal, hein. C'est pas plus mal, ça fait vraiment plus réaliste. Encore une fois, un truc excellent, quoi. Je vous dis, pour les fans de Street of Rage, ce remake c'est vraiment l'idéal. Ça reprend tout. Ouais, on va appuyer un coup les flics parce que là, ça craint un peu quand même. Ah, il a presque plus de vie. Voilà. Voilà, on est rendu à 40 minutes, je viens de terminer le stage 3. C'est impeccable. Impeccable. Voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là. Je vous laisse apprécier le petit scénario. Puis on va s'arrêter là. Et voilà, le stage 4. C'est ça. On va pas le continuer parce que sinon la vidéo elle va faire plus d'une heure et demie, c'est beaucoup trop quoi. Voilà, on est déjà rendu à 40 minutes, c'est très bien, on va s'arrêter là. J'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura plu. En tout cas moi ça m'a fait énormément plaisir de vous remontrer ce jeu, sachant que j'ai déjà fait une vidéo en 2015. Et donc voilà, c'est vraiment les nouvelles de Street of Rage 4 qui m'ont donné l'envie, là, une incroyable envie. En tout cas, je vous dis, portez-vous bien, à très bientôt, peut-être pour la suite, peut-être pour une nouvelle vidéo, on verra. Allez, ciao tout le monde!